Gaston Abbé, alias Valsero. Gaston Abbé, alias Valsero. Alors, te rappelant de ce que tu aurais dû être dans ta petite enfance, te rappelant de celui que tu aurais voulu être dans ton adolescence ou alors dans ta jeunesse, tu estimes que devenu adulte, tu es celui qui va indiquer à ceux qui n'ont pas pris, à ceux qui n'ont pas fumé, tu estimes que c'est toi qui vas leur définir les orientations, les chemins, les opinions à avoir, les comportements et les attitudes à adopter. Toi, après avoir fumé, je ne sais pas si tu le fumes toujours parce que je vois que tes lèvres sont noires. Donc, soit tu as beaucoup fumé, soit tu fumes encore. C'est pour ça que tes lèvres sont restées noires. Valsero, devenu ce que tu es, on n'est pas plus beau, on n'est pas plus fort, on n'est pas le plus intelligent en présentant les autres sur les étiquettes qu'on pense, sur les étiquettes qui se racontent, sur la petite idée que nous nous faisons de cela sans les connaître. Ce n'est pas cela, être grand, Valsero. Parce que des gens se seraient eux aussi assis pour te critiquer, pour te fustiger, pour t'insulter, parce que tu es identifié comme l'un des jeunes qui s'est investi à prendre alors que cela est investi. Et d'ailleurs, je voudrais peut-être te suggérer, pourquoi pas, puisque tu l'as jamais fait, de mener des campagnes sur ces jeunes qui prennent des stupéfiants, qui prennent des drogues, qui se droguent. La drogue, sous n'importe quelle appellation, est une mauvaise chose. Ndiap, Banga ou autre chose, ce sont de mauvaises choses. Donc tu devrais t'investir aussi à cela. Tu seras un peu utile, tu seras plus utile à ces jeunes qui se laissent entraîner par la consommation des stupéfiants et des drogues. Tu n'es pas beau, tu n'es pas grand, tu n'es pas fort en prenant chaque jour ta caméra pour décrypter les attitudes, les comportements des autres, pour te prévaloir de ce que tu es supérieur à eux et donc c'est à toi de leur indiquer le chemin. Nous aussi, dans notre jeunesse, dans notre enfance, du moins, tout ce que tu insultes, que tu fustiges, nous avons compris. Il nous a été dit, il nous a été indiqué. Nous avons compris la nécessité de ne pas s'investir dans la consommation des drogues. Ce n'est pas pour autant que nous allons, moi particulièrement, organiser des campagnes de délation, de sabotage, pour dire que Valsero, parce qu'il a fumé de la drogue ou alors parce qu'il fume de la drogue, tu ne vas donc pas prendre ta caméra tous les jours et ragoter, prendre des petites choses qui se racontent pour nuire aux autres, pour présenter la mauvaise image des autres. Tu ne vas pas pervertir la pensée, les orientations, les attitudes des autres pour les idéaliser quand il s'agit de toi. Parce que justement, un fumeur de chanvre, un preneur de drogue, ne peut pas être identifié dans notre société comme quelqu'un qui est un exemple, comme quelqu'un qui est un modèle. Si tu en prends, quand c'est encore mouillé, essaie de revoir le mode de consommation, essaie de revoir les quantités. Parce que justement, si on veut, si on estime que les autres sont sur le mauvais chemin, on leur donne des conseils. On leur donne des conseils. On ne les présente pas comme des personnes à tuer. On ne les présente pas comme des personnes à bannir. Parce que tu indiques que dans le futur, quand le Cameroun changera selon tes envies, selon tes illusions, que les choses vont se dire, que les choses vont se raconter et que certainement on va découvrir
que les autres étaient des diables et que toi tu étais un ange. Non, tu n'es pas un ange, Valsero. Les autres ne sont pas aussi, je le dis, des anges ou alors des diables que tu veux, comme tu veux le faire croire. Tu as cité une liste qui ne présente que des noms d'une certaine aire géographique. Valsero, tu as plusieurs fois traité des gens que tu connais, ou alors que je connais, que tout le monde connaît, comme des tribalistes fondamentalistes, comme tu aimes bien le dire. C'est un tribaliste fondamentaliste. Ça veut dire quoi déjà cette expression? C'est un tribaliste fondamentaliste. Valsero, lorsque tu dresses cette liste de noms, Abbé, Amogo, Mbarga, tu dis que eux, ils sont des faibles, et ils sont des paresseux, ils sont gourmands, ils sont des affamés, et que ce sont les autres qui sont des travailleurs, qui sont bons. Tu estimes ne pas être dans une démarche de tribaliste, Valsero? Tu estimes ne pas être dans une démarche de celui qui veut stigmatiser, de celui qui veut créer la haine? Tu es un vecteur de haine. Tu es un distributeur de haine. Tu es un élément qui abrutit les consciences. Si c'est cela ton rôle, j'estime que c'est un rôle ambigu. J'estime que c'est une démarche tordue. Et donc reviens sur terre. Quitte ce nuage qui te fait planer. Quitte cette fumée qui t'envahit, qui t'éblouit. Quitte cette fumée qui te tue. Quitte cette fumée qui te détruit. Quitte cette fumée qui t'amène à jouer le rôle que tu es en train de jouer. Parce que tu es l'un des vecteurs de haine. Tu es l'un des porteurs de haine. Tu es l'un des éléments qui nourrit la haine. C'est cela que, c'est ce que tu veux. C'est ce rêve que tu veux. Pour le changement que vous dites porter. Vous êtes les combattants. Vous combattez quoi? Vous combattez qui? Valsero. Gaston Abbé. Alors s'il fallait étiqueter des gens selon leur nom, Abbé, Mbiti, ça veut dire moche, ça veut dire laid. Peut-être que tu es influencé par ce nom. Peut-être donc que tu es influencé par ce nom. Quitte le nuage, arrête de planer. Prends un peu moins. Revois les quantités.